Pour faire un mont d'or chaud, il vous faut un mont d'or, il vous faut 5 centilitres de vin, il vous faut 2 pommes de terre et il vous faut de la charcuterie. On va commencer par prendre le fromage, creuser un peu avec une cuillère, mettre le vin et reboucher. Là, vous prenez une cuillère et vous creusez votre mont d'or un petit peu. Vous creusez pas jusqu'au bois parce que sinon le fromage ne va pas retenir le vin et ça va couler de partout. Vous prenez le vin, vous mettez au milieu. Et vous recouvrez avec le chapeau. Là, vous allez mettre pendant une quinzaine de minutes au four à 180 degrés. Et ça sera bon à déguster avec des petites pommes de terre à l'eau. Et voilà mon mont d'or au vin blanc cuit, bien fondu. Et une petite peau de charcuterie avec la pomme de terre à l'eau. Regardez mon fromage comme il est bien fondu. Ça va être délicieux. Alors c'est un fromage pour deux là. Et c'est du vin blanc moelleux.